Je vais m'appeler. Comment je pourrais m'appeler? Timmy Junior, d'accord. Je sais que je suis une fille, mais Timmy. Putain, espace. Junior. Junior. Timmy Junior. Boum! Je m'appelle Timmy Junior. Et je suis envahi par des zombies. Ok. Ça, c'est Mushroom. Pour rester allumé, je vais prendre du café. Mais du café rouge. Comme ça. Je crois que je l'ai fait. En tout cas. Je m'appelle Timmy Junior et j'aime le café orange. Non, c'est... Je suis très spéciale. C'est le nom de ta bande. Donc, je m'appelle Timmy Junior et j'aime le café orange. C'est la description de mon Bob. Ben, ou de ma Bob. Je sais pas, est-ce que j'ai une fille ou un mec? Donc, cette vidéo sera très courte. C'est juste pour explorer un peu comment ça se passe ou des trucs comme ça. J'étais pas prêt pour la mission qui a suivi tout à l'heure. J'étais vraiment pas prêt, je savais pas trop quoi faire. Les touches m'étaient un peu inappropriées comparé au Battle Royale. Oh, ça a l'air sympathique ça. Oh, palais. Je crois qu'on leur a largué une belle bombe. Oui, vous nous l'avez déjà dit ça. Comme ça. Bye. J'ai un coffre à ouvrir. Butin de niveau 4. Oh. Oui, waouh. C'est la seule affaire que je trouve beau mais moche. D'accord, d'accord. Oui, j'ai un snipe, je crois. J'ai des missions en plus. D'accord. Aide-moi. Oh, mais oui, c'est mon territoire. Le café orange. Timmy Junior. Oh, ok, faut que j'aille au truc là-bas. Sélectionné et on est parti. La date est juste qu'il faut envahir. C'est bizarre, c'est très louche. Faut que je me rende à l'observatoire. Genre. Non. Donc, observatoire. Waouh! Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Non, en fait, c'est très laid. C'est... J'ai rien fait? T'es moche! C'est comme les gadgets. J'ai... Oh, c'est Mushroom. C'est quoi cette merde? Jouer. Après, c'est Lama. D'accord, je veux... Oh, je perds le contrôle. Je perds le contrôle, c'est n'importe quoi. Je perds le contrôle. Je sais pas comment faire. Ok, on perd le contrôle. Je suis désolé, je perds le contrôle. Je ne tiens plus la situation en main. Je me fais envahir par des zombies. Je suis une fille qui s'appelle Timmy Junior. J'aime le café orange. Et tu vas me dire que je suis normale? Non. Je t'appelle pas Timmy Junior. Je m'appelle Timmy Junior. Non, c'est le nom de ta bande. Non, c'est le nom de mon Bob. Bon, peu importe. C'est quoi? Oh! Je m'achète des lunettes. Oh non. D'accord. Bonjour. Oh non, ça c'est malaise, hein. Attends, t'es amoureuse? T'as un chum, un autre beau, c'est ça, avoue-le. J'ai rien compris, je parlais en même temps que toi. Il parle en pète? Quel robot! Non mais... Mais venez vous battre, bande de peureux. Non, t'es vraiment Mushroom, l'espèce de petit robot. Oui, let's go, active. Dégage in. Ah, puis en plus, ça prend tout ce temps-là à l'activer. Waouh. Explosion, balaboum, balaboum, explosion, explosion, explosion. Merci de nous avoir guidé, commandant. Wow, it's beautiful. Vous êtes maintenant protégé par un bouclier anti-tempête temporaire. Mais je crois savoir comment largement améliorer cette petite base. Largement. En améliorant et en protégeant ce bouclier anti-tempête, nous pourrons mettre tous ceux que vous sauvez à l'abri de la tempête.
J'ai rien compris. C'est là que vos talents de constructeur entrent en jeu. Vous êtes un bricoleur de génie, comme Gustave Eiffel. What? Alors au travail. Allez activer le bouclier anti-tempête. Ouais, c'est fait, comme ça. Voilà. Il se lève en plus. Waouh. L'objectif est de protéger le bouclier anti-tempête contre tout type d'attaque. Voilà ce que vous pouvez construire. Ouh, c'est joli quand même. Mais nous n'avons pas encore les ressources pour ça. Alors, voici ce que vous pourrez construire pour l'instant. Oh, ben oui. Commençons par les fondamentaux. Impossible de construire sans ressources. Je vais vous en envoyer. T'es vraiment gentille, madame, de me faire des faux espoirs comme ça. Ça se peut pas jouer avec mes émotions comme ça. On peut pas. Construisons des défenses autour du bouclier anti-tempête. D'abord des murs. Il y a du bois, de la pierre et du métal. Je vais prendre le bois, c'est le matériau le moins solide. Pour que les autres se fassent bouffer. Ça me tente pas de continuer à les protéger, c'est des peureux, là. On va faire des murs de bois. Pour le fun. Ajoutez une pop. Ah, plus. D'accord. Tu m'en manques beaucoup, je trouve. Et il manque de matériaux en plus. Vous exagérez, ouais, vous, les robots. Let's go. Non, j'ai vu l'arbre. Donc, viens de cette tempête, je peux pas entrer. C'est génial, moi, si jamais je veux me suicider. Ah, c'est vraiment... tellement... Est-ce que ça rapetisse en plus? Je vais te pousser, espèce de... truc, machin, chose. Bon. Bon, on ira se cacher là-dedans. Les monstres ne sont même pas capables d'ouvrir une porte. Une porte! Ah ben oui, j'avais déjà du matériau. Regarde, ton lance-roquette. Ah ben oui, attends. On va aller chercher du lance-roquette. Wouh! I'm in! Ça vaut bien plus la peine. Un lance-roquette, infini balle. Okay. Les murs. Impossible. Infini balle. Qu'est-ce que tu dis? Impossible. Wasabi. Wasabi! Voilà, madame. J'essaie de construire, mais je peux pas. Je peux pas. On va dire le mur? Où ça? Ici. On va dire. Comme ça. Mais construis-toi! Oh! Hey! Je suis censé savoir construire, moi. Ouh. Ensuite, vous devriez construire des sols et des plafonds. Pourquoi pas? Hein? En bois aussi, on va se faire défoncer. Pourquoi des sols? On n'en a pas besoin. Le gazon, ça fait largement l'affaire. C'est fait! Ah ouais, si jamais il y a des éclairs de sucre, c'est nous ça. Nous pourrions placer quelques pièges. Placer des pièges au sol, au plafond et au mur. Oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On va dire ça ici. Comme ça! Quand les monstres y passeront pas, c'est sûr. Sûr, si sûr, sûr, sûr. Attends. Bon. Pourquoi je prendrais pas mon pistolet puis je me suis... Oh, aïe, 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 attends. C'est des plafonds, monsieur. Oui, on va mettre ça au plafond comme ça. Tiens, électricité, da. On va les déglinguer. Voici ce que vous devez fabriquer. Construire des murs bas peut ralentir l'ennemi tout en vous permettant de tirer au-dessus. Désélectionnez les deux rangées du haut et gardez les trois panneaux du bas. N'oubliez pas d'activer la pièce que vous aviez enlevée pour faire la porte. Non. Ouais, c'est ça, sinon, hein. Se moque de moi, elle. Non! C'est pour ça que je voulais faire attendre.
faire ça, ça, constriction. Ça, tu t'en vas. Constriction. Et c'est compliqué, hein, quand même, juste faire ça, ça paraît pas, là, mais... Oui! Ah, j'ai oublié, là. Mais c'est n'importe quoi, cette base. Bravo! Vous avez vraiment un don pour la construction. Waouh! Posons encore quelques pièges sur ce que vous venez de bâtir. Mettez-les où vous voulez, mais n'oubliez pas que la première attaque viendra du sud. Du sud? Du sud, c'est d'en avant, par ici, comme ça, comme ouest. Ok. On va dire au sol. Ici, ici. On va dire là, et là. Bon, mais... petite précision. J'ai cassé la frappe aérienne. Je l'ai peut-être un peu cassé non. sur une montagne, mais passons. C'est moche. Pour l'instant, il faudra s'en tenir aux grenades. Voici une cible pour vous. Essayez de lancer. T'exagères, là. Badaboum. Nous sommes prêts à défendre. Si vos murs subissent des dégâts pendant l'assaut, vous pouvez les réparer à condition d'avoir assez de matériaux requis. Vous devriez peut-être fabriquer quelques munitions, mais après ça, tout sera prêt. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Impossible. Impossible. Toi. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Oups. Ah, ça c'est le signal que je dois arrêter. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Qui était un peu malaisante et très bizarre de la part du petit robot. Et je vous dis à la prochaine!